Salut à tous les amis, c'est Cybercore. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je découvre le jeu Hades. Oui, effectivement, le jeu Hades qui est un jeu dont j'ai pas mal entendu parler. Et donc du coup, on va faire la découverte de ce jeu. Et pour une fois, je voulais faire ça en vidéo et non en live. Hein. Voilà tout ça. Reminding us of the inevitable fate which we all share. I, however, mean to tell you such a tale. Listen carefully. Goodbye, Father. To hell with this place. Get out. Alors j'ai baissé un petit peu le son au préalable avant la vidéo, mais sinon c'est le seul truc que j'ai touché, donc je vois on a un truc à distance. Ah, mais c'est ça en fait le truc à distance, on peut l'utiliser que si on a le truc rouge, d'accord, ok. Ok, non mais bon bah voilà, maintenant on sait. Hop. Whoops. Ça va vraiment qu'on puisse tout défoncer alors qu'on n'est même pas encore commencé le jeu. Techniquement. Ah, RB. Je continue. Ah, du coup, on nous a ramassé le truc pour tirer de loin. Ok. Alors, on m'a dit que c'était un jeu plutôt joli. Ok, c'est bon. Ok, oh, ouais, ça va, j'aime plutôt bien le système de combat. Alors, c'est un jeu un peu à la... Enfin, c'est un roguelike, quoi, hein. Donc c'est... On s'améliore au fil du temps, et après on essaye de pouvoir finir le truc. C'est un truc, c'est un Die and Retry, hein. Hop. Hop. Ok, j'aime beaucoup le système de combat. C'est plutôt cool. Accepte. In the name of Hades, Olympus, I accept this message. Oh. J'accepte ce message. Now, let's get you from that miserable place. I'll see that all of us upon Olympus do our part, beginning here with me. Oh, sympathique, sympathique. Donc du coup, ça c'est les buffs du coup qu'on va avoir. Votre élan inflige des dégâts permet de renvoyer toutes les attaques sur votre chemin. Une attaque puissante peut effectuer un renvoi. Dégâts d'attaque plus 40%. Votre lancer inflige des dégâts en zone et renvoie toute attaque sur sa trajectoire. Oh, ça c'est pas dégueu. J'aime beaucoup la frappe divine et le tir de phalange, mais je pense que ça va être... On va partir sur la frappe divine. Faire plus de dégâts comme ça, je pense que ça peut être pas mal. Hop, et... Bah bien sûr, le chat. Bien sûr. Tu participes à la vidéo aussi? Ah, j'ai pris un petit dégât. Ok. Hop, excusez-moi pour mon chat. Hein. On contrôle pas ces petites bêtes-là. Hein. C'est nos animaux de compagnie, malheureusement. Des fois, on ne contrôle pas les moments où ça miaule, les moments où ça ne miaule pas. Mais en vrai, le jeu est très beau. En vrai, je ne m'attendais pas à ça, graphiquement parlant. C'est incroyable. Hein. Je suis étonnamment surpris du jeu. Hop. Donc ce jeu, je le ferai peut-être en live aussi. Je verrai.
en fonction de de vous aussi, hein, ce que vous aimez ou pas. Si vous aimez ça, effectivement, on pourra faire des lives dessus. Alors, j'aimerais bien essayer. Hop. Tac. De pas mourir, surtout. Aïe. Hop. Voilà, nickel. Ok, donc là, on a 100 pièces. C'est ça? Ouais, 100 pièces. Je vois qu'on en a 129 du coup. Ok, nickel. Each exit has its own reward. On avait deux chemins à choisir, ok. Ok. Hop, ok. Ça va pour l'instant. Ouais, j'aime bien ce genre de jeu en plus, donc hop. Aïe. Bon, par contre, j'ai pris cher là. Je récolte ta clé. Je pourrais m'en servir à la maison. Ok. Continuez. J'ai mal, mais je peux encore me soigner. Ah. Alors, je peux pas tanker des ennemis. Aïe. Ah, je prends des dégâts un peu bêtes là, ok. Il n'y a aucune issue. D'accord. D'accord. Ok, ah. Bon sang. Je suis rentré. Welcome to the House of Hades, where... Wait, I know you. Attends, mais je te connais, toi. J'imagine que t'es mort dehors, du coup. Plus qu'elle soit pas triste, hein, tout le monde finit par mourir à un moment donné ou à un autre. Certains plus souvent que d'autres. Oh. Stupid boy. Imbécile, j'ai dit que personne ne peut sortir d'ici, mort ou vivant. Tu as dit... Comme ça s'est payé sur les pillages de mon domaine. Bonjour père. Le pillage s'est très bien passé. C'est gentil de t'inquiéter, j'y retourne de ce pas. Si tu veux bien m'excuser. Je t'en prie. Qu'est-ce que cela peut me faire? Tu m'atteindras jamais à la surface. Va donc t'en rendre compte par toi-même. Oh, notre objectif c'est d'aller à la surface. Such setbacks are inevitable and may be overcome with effort and with time. You made contact with the goddess Athena. She shall be true to her word. I believe it, Nix. I'm grateful that you put us into contact. I know you took a considerable risk in reaching out. The risk is not to me. I expected the Olympians would involve themselves in this eventually. Reveal to them no more than they already know. Are we understood? Ouais, c'est pas mal. Allez, du coup, on y retourne. On y retourne, j'imagine. Ah, ok. Servez-vous du miroir pour gagner en puissance. Oh, d'accord. Ok. Ah, du coup, c'est... Ok. Du coup, on a ramassé une clé, la clé qui nous permet de... Ok. Restaurer une petite fraction de votre vie. Lorsque vous quittez une chambre, plus 1 par niveau. Oh, d'accord. Bon, là, on va pouvoir restaurer un peu de PV à chaque fois qu'on quitte une pièce. Non, un étage, j'imagine. Ok. Ah, d'accord, ok. Donc là, on a un truc. Là, je peux le déverrouiller pour une étoile. Nice place you got here, boyo. Name Skelly, how's it going? But enough with the small talk already. I'm here to do a job. Vous l'avez fait, c'est donne tout ce que tu as. I don't remember having you on payroll, mate. Oh, I'm not about to wrap my sources, pal.
Just try and beat it out of me. If you insist. Whoa. Ok. Alors, relâcher au clignotement de tir, putain. Appuyez sur X dans votre élan pour effectuer un assaut. Ok. Ah, et du coup, on va pouvoir changer d'arme, du coup, régulièrement, du coup. Ok, j'aime bien le concept. My blade. Change your plan there, huh? Right in the pelvis. Oof. Oh, hi. Ok, donc là c'est un peu la salle d'entraînement. Ok. My escape route's back the other way. Ma sortie de l'autre côté. Bah écoutez, on va essayer l'arc du coup. Hop. Ok, bon, on va essayer un petit peu avec l'arc du coup, voir ce que ça peut donner. I can do this. First get past the wretched shades of Tartarus. Easier said than done, and doubtless I'll be running into Meg. The River of Flame ought to be just beyond. Find a way up to Elysium from there, and after that... All right, let's give it another shot. T'as juste envie d'essayer un truc, là. De regarder quelque chose. Ouais. Ok, non, c'est bon. I can escape from the courtyard back there. Alors attendez. Comment je fais moi? Je peux rien faire d'ici? Ok. Ah elle est là. J'imagine. Okay. Voilà, c'est validé. C'est validé, c'est ici les amis. Thunder. Is that... Is this really him? Ok. Au nom de Hadès, j'accepte ce... Ouais, Zeus! Je t'accorde ma bénédiction. Tir foudroyant. Ah, en fait, chaque dieu va représenter une arme? Oh, ce serait cool. Dégâts de foudre. Tir foudroyant, frappe foudroyante. Zeus lending his support. Never all right. Or night, whenever. Juste que je pense bien à... Good thing I'm not dead. Faut juste que je pense bien à, comment dire, à rester appuyé sur... voilà, pour pouvoir toucher, faire des dégâts. Faut que j'y pense bien, quoi. That's what you get. Ok. Hop. All set.
Récolter, ok, on récolte, on récolte. Let's go, let's go. Vas-y, on va sur ça. Parce qu'en vrai, pour l'instant, on sait pas encore à quoi elles servent les pièces. J'imagine qu'il doit y avoir des shops. Hop, voilà, nickel. Hop. Ok. Je récolte 100. Je récupère ma pièce. Et je continue. C'est parti. Ah oui, du coup, à chaque fois qu'on traverse une pièce, on récupère un PV. Du coup, parce qu'on a utilisé une clé, enfin, on a utilisé des trucs d'amélioration. Ok, ok, je vois, je vois, je vois. Je vois le genre. C'est très bien. Voilà, nickel. Hop! Hop, let's go. Ok. On s'en sort beaucoup mieux en tant qu'archer qu'en tant qu'épéiste. Hein. ok, là une espèce de bombe, là une espèce de marque. Oh, vas-y, on va là-dessus. Hop. Ok. Ce qui est bien, c'est que du coup, en vrai, je pense que j'ai pris un bon pouvoir, là, parce que du coup... Hop. Aïe, 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 aïe. Ok, c'est bon. Des cris de guerre. Ok. J'imagine que celui-là a été voué à se montrer tôt ou tard. Nom d'Hadès, Olympe, j'accepte ce message. Ah, là, c'est le dieu de la guerre. Je dois reconnaître que tu es... Oh! Et on voit du coup que lui, il est épique. Sort de douleur, votre technique applique l'état maudit. Ok. Ah ok, donc en fait, on peut avoir une amélioration de chaque dieu, en fait. C'est pas chaque personnage est représenté par un dieu, c'est aléatoire, en fait. Ok, ok. Je comprends. Je crois que je comprends, du moins. Ça se trouve, il est né tout au plus long, autant plus compliqué, mais je crois que je comprends. Ok. Oui. Ok, donc on a des spells quand même, on a de quoi tenir, j'ai envie de dire. Ok, là on récupère ça, qui doit nous permettre de balancer. Ok, et du coup on récupère une autre clé. Hop. J'imagine que Saxine du coup va représenter un truc bien spécifique, une pièce bien spécifique. Genre ça se trouve là sans le savoir, je suis allé sur un truc qui nous donnait du coup une amélioration de pouvoir alors que je le savais pas. Je tiens à préciser les gars que j'ai jamais joué au jeu, hein. C'est vraiment, je suis en full découverte avec vous.
Hop, et... Lord Ares. Olympus, I accept this message. Oh, encore lui? Ok. Lui est rare, élan tranchant. Crée une faille tranchante. Ok. Ok, du coup, ouais. Oh, oui! J'ai juste sur voir la liste des bienfaits. Oh là 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 là. Oh, je vois. Oh, c'est trop bien. Trop bien, les amis. Trop bien. Donc là, à la fin de cette run, on mettra fin à la vidéo. Hein. C'est juste une découverte. Là, du coup, on a refait deux runs. Du coup, puisque sur la première, j'ai vraiment pas été très doué. On refera peut-être des vidéos dessus, si ça vous plaît. Déjà, si ça vous plaît, bah du coup, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à me dire en commentaire, genre, si ça vous plaît vraiment, si, voilà, c'est vraiment ce genre de jeu, quoi. Ça vous intéresse ou pas. Bah n'hésitez pas, hein, ça fait toujours plaisir. Je suis pas du genre à le dire en plus en pleine vidéo et tout machin, mais si ça vous fait plaisir d'en savoir un peu plus sur ce jeu, bah franchement faut pas hésiter parce que j'aime beaucoup le jeu, voilà. Hop, 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 hop. Voilà, nickel. Pouvoir des enfers. Ok, d'accord. Donc c'est ça qu'on a utilisé pour qu'il nous redonne un point de vie à chaque fois qu'on traverse une pièce, quoi. Aïe. C'est pas vrai. Aïe, on a 8 HP. Ah, dommage. Ok. Ok, bah on a perdu sur cette salle de mini-boss, je dirais, parce que vu les HP qu'ils avaient, ça m'en a tout l'air, en tout cas. Ça m'en a tout l'air. La maison d'Hadès, du coup. Wow, you just got killed by one of those bloodless inferno bomber skeleton type guys. Nice. I always wondered what would happen if you just kind of stood around while all their bombs went off. Okay. Okay. Someone's at the desk next to the throne. You've returned. Ah oui, d'accord, ok. The House of Hades, that dark and lavishly appointed lair of the underworld's king. You know I can hear you, old man. Ok. Oh, en vrai, c'est sympa, sympathique. Good to see you, lad. Despite the circumstances, héros oublié. Remember your training out there. The pain of death is but another obstacle. And fear is for the weak. Take care, Achilles. Ok, en vrai, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. L'Éternel te guide dans mon enfant. Cette maison est trop petite pour toi, je suis maintenant certaine. Sache que je te protégerai si jamais tu devais revenir ici. Je t'oublierai jamais, Nyx, je... le jure. Ok, et donc du coup en fait le miroir il nous donne des points, voilà, ça nous donne en fait des points de néant. En fait on a besoin de points de néant du coup pour ça. Et en fait là si je veux déverrouiller un autre accès, un autre avantage, je dois payer 5 clés. Et là on voit que j'en ai 3, hein, on le voit ici, hein. Je me permets, ici on voit que j'en ai 3. C'est-à-dire qu'il faudrait deux clés supplémentaires pour déverrouiller une ligne de plus, je pense. Ou deux lignes de bénéfices, de pouvoir, voilà. Infliger plus de dégâts d'attaque et de technique lorsque vous frappez vos ennemis par derrière, plus 10% par niveau. Oh, je vois. Refus de la mort. Restaurer 50% de points de vie. Une fois que les vies, la vie retombe à zéro, une fois par niveau. Oh, ça peut être sympa, ça, les amis. Bon, et bien, les amis, nous, on va se laisser là-dessus pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à un max de pouces bleus dans les commentaires. Un max de pouces bleus sur cette vidéo. N'hésitez pas à me mettre en commentaire aussi quelques petites astuces qu'éventuellement vous aurez...
durant une potentielle expérience que vous avez connue sur Hades. Et du coup, bah, nous, on va se laisser là-dessus. Et je vous fais de gros bisous. Je vous remercie encore une fois pour votre présence sur cette vidéo. Et nous, on se dit à plus tard, les amis. Salut tout le monde, c'était cool. We'll be right back.